Je te reçois pour la sortie du livre « Trop tout, tout le temps et si j'étais au potentiel » pour lequel tu as accepté de faire cette préface atypique en vidéo. C'est bien la première fois. Et il est super dynamique, il est décomplexé. Donc on a des petits canards, ça nous change des zèbres. Et je trouve qu'il est, il est cash, il est direct, il est pédagogique, c'est de l'immersion. Donc ça va chercher les personnes, c'est pas que du mental dans les bouquins traditionnels, et ça va chercher des personnes dans leur singularité, on n'est pas obligé de correspondre à tout. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de faire la préface du livre « Trop tout, tout le temps » ? C'est bien d'avoir des approches pédagogiques, originales, créatives, ludiques, décomplexées, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bisounours, très... moi qui me fatigue, mais c'est ma subjectivité, je dis pas que j'ai raison. Donc j'aime bien quand il y a des contributions originales. Si tu devais décrire cet ouvrage, et là je te challenge un petit peu, en trois mots, tu dirais ? Débridé, joyeux, cash, sans concession et en même temps très bienveillant, très gentil mais pas naïf. Du coup, pour être heureux, la phrase était bien trouvée, se reconnaître pour assumer son haut potentiel et bien vivre avec. Eh mais oui, mais c'est incontournable, c'est que si tu le reconnais pas, tu peux pas bien vivre avec. T'avances, t'attaques les murs avec bandeau sur les yeux. Mais non, ça c'est pas possible. Et c'est mieux de le faire joyeusement, c'est mieux de le faire comme c'est fait dans le livre, débridé, mais moi c'est plutôt l'énergie qui me plaît. On peut faire des choses sérieuses, on peut faire des choses profondes, de manière à la fois légère, dynamique, confrontante, mais il faut absolument qu'on se connaisse bien. Sinon, ça, on est des prototypes, on est né, il n'y a pas de mode d'emploi. T'imagines, tu reçois une machine, t'as que dalle, t'as aucune notice technique avec. Ça, c'est un surdoué. Il est livré sans la notice technique, c'est sûr. L'objectif, c'était vraiment d'aider les personnes qui se questionnent à faire leur premier pas vers le haut potentiel. Est-ce que toi qui as découvert le livre en avant-première, de ta perception, ce livre, il a fait le job ? Ben, il a fait le job parce qu'en fait, il a un côté assez ludique. Il laisse de la liberté aux gens de se promener sur les différentes thématiques. Il y a tout ce parcours, je trouve, de randonnée avec le canard mutant qui est mignon comme tout. Moi, j'ai beaucoup ri. En fait, j'ai beaucoup ri. Et c'est bien. C'est bien parce qu'on peut approcher des choses sérieuses, profondes, douloureuses. Beaucoup de gens pleurent hein, sur les livres. Et garder ça aussi. Et je trouve que c'est bien de l'approcher comme ça. Parce que la danse, c'est une libération. Et il faut passer par là. C'est une renaissance.